Salut, salut! Bon, on revient avec la deuxième partie de la vidéo. Donc, tu sais, elle est rentrée ce week-end, on va pouvoir filmer la deuxième partie. Ouais. Et... la deuxième partie, mais quelle vidéo? Attendez, j'ai pas fini ma phrase. Donc, c'est la deuxième partie du shopping à l'aveugle. Vous savez, la semaine dernière, on vous a mis la vidéo dimanche dernier du on a choisi les habits à l'aveugle. J'ai fermé. Voilà. Et là, du coup, on va faire les essayages parce qu'on a tout reçu. Donc, je vais faire les essayages en direct. Et ensuite, on va tourner l'autre vidéo. L'autre, on a hâte. Ah, surtout l'autre, on a hâte. Ouais, mais on s'en fout pas, mais genre. Genre, on connaît ce qu'on a commandé. On les a vus, quoi. On les a vus, tandis que l'autre, on n'a pas vu. Surprise. Surprise! Bon, je suis en peignoir parce que je suis déjà prête à m'habiller. Ouais, allez go! Allez, on va essayer. Elle va essayer. Ouais. Allez, va chercher. Elle va vous déballer ses articles. Attendez, je viens de déballer ici, non? Pousse-toi un petit peu. Attendez, on vous tourne. Ouais. Déjà, on va déballer les articles. Donc, déjà, j'avais commandé, si vous vous souvenez bien. Ouais, j'ai toujours le même pyjama, hein. Je me souviens jamais, moi. Dans le même peignoir. Alors, un haut. Ah, il est trop beau! Je sens qu'il va partir. Quelle taille il est? Non, il va être trop grand, j'ai pas de boobs. 38. 38, ça va. Ouais, mais j'ai pas de 2,5. Mais il est beau, hein? Donc, j'ai commandé celui-là, qui est effet froissé sur le côté. Elle va l'essayer, je sens. Ensuite, il y avait les lunettes. Ah, elle est belle, la jupe. Ensuite, il y avait une jupe. Dites-moi si vous souvenez de tout ça. Oh, quand même, ça fait une semaine. Ça a pas mal et ça. Tu crois? Ouais. J'aime bien la couleur, moi. Je sais pas. La jupe, elle est comme ça. Ouais, elle est très épaisse. En fait, c'est une jupe. Ouais, je sais pas. Ça va être jolie. Très longue comme ça, je pense. Moi, j'ai eu la noire alors que. J'ai eu du noir alors qu'elle, elle aime le noir et elle a eu du clair alors que moi, j'aime bien le clair. Et ensuite, les bottes. Je me rappelle plus, t'avais quoi comme bottes? Mais ça. Belle. Et j'ai eu ça comme bottes. Enfin, quoi que. T'as un peu le même style, non? Ouais. Donc, on va essayer? Ouais. Allez, oh, plus de batterie. Faut changer la batterie. Okay, on va essayer. Donc, du coup, ma mère là, elle vient faire son essayage et elle va venir vous montrer tout ça. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi cette dégaine? Regardez. Montre la chaussure. Attendez. Hop. Ouais, la jupe elle est trop grande. Hein. La jupe est trop grande. Attends, je te cadre. Vas-y. La jupe est trop grande, le haut franchement il est joli, il va t'aller parce qu'il me sert un peu, enfin je veux dire, il est bien serré donc il va t'aller. Les lunettes s'il vous plaît. Les lunettes j'aime pas. Moi non plus. La jupe en fait c'est qu'elle est trop grande. Elle est trop grande au niveau de la taille donc pourtant c'est elle. Et les bottes... ça me fait retourner, ça me fait sortir les bourrelets ça non? Non ça va. Baisse un peu que je vous voie comme il faut. Ouais mais c'est qu'elle a un bon cul celle-là. Hop, je vais sortir. Voilà, ouais, faut pas que je fasse ça, j'ai des bourrelets ici. Mais franchement, ça va. Encore. Ça va? Et mais pour les bottes, il y a mieux, mais elles sont pas moches. Je suis revue dans la vitre, dans le miroir. Oh, ça va! Oh, mais c'est qu'elle est belle la ticha! Ah, waouh! Wow. C'est juste la jupe, elle est trop grande en fait. C'est dommage qu'elle est grande. Ouais. Et ou qu'elle est pas noire aussi. Le noir, elle aurait été jolie aussi. Hein. Ouais, ça va, elle est belle quand même. Et t'as pris quelle taille la jupe? Elle. Je savais que t'aurais pas dû prendre ça. Ça, c'est des jupes que tu vas prendre un XS, si tu rentres dedans. Ouais, mais des jupes élargies comme non. Non, mais abuse pas, mais t'aurais pu prendre un M hein, pour une jupe comme ça. Ouais. Ouais, mais moi, je suis contente, ça va, c'est bien quand même. Ouais. J'ai fait un bon shopping à la belle. Allez, fais une miniature. Faut que je fasse une miniature. Vas-y. Comme ça, tu te découpes. Comment je fais? Avec le téléphone, non? Ouais, je te prendrai en photo. On est changé de place en plus. Bon, mais du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de mon petit shopping à l'aveugle? Ouais. Il était bon mon shopping à l'aveugle quand même? Ouais, ça va. Hein, je sens que tu vas vouloir garder le t-shirt, c'est ça? Ouais. Tu vas l'essayer? Ouais. Hein? Ouais. Ah ouais, je le sais. Tu veux que j'essaye maintenant? Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Allez, vas-y. Ok. Attendez, on va essayer le t-shirt. Alors, Tisna est en train d'essayer le t-shirt. Il est serré. Attendez, je veux pas me démaquiller. Tu vois, il te va. Il te va. Montrez-moi ça, Demi. Il est joli, hein? J'ai un petit bourrelet, mais vous inquiétez pas, c'est pas un bourrelet, c'est les abdos. Les abdos, oui, bien sûr. Il est beau, hein? Ouais, il est beau. J'ai gagné un t-shirt, les amis. Dommage que c'est pas du 36 pour que j'ai les boobs qui explosent.
Bon, voilà. Mais franchement, moi, je suis contente de mon shopping. J'ai bien aimé. Franchement, ouais, c'est joli. Franchement, j'ai bien aimé. Comparé à ce qu'on a eu l'année dernière. Ouais, l'année dernière, c'est vraiment moche là. Franchement, on a fait un shopping à l'aveugle. Franchement, nickel quoi. Ouais. On était aveugle mais chanceuse. Moi, j'ai été chanceuse. Hein. Ouais. Mais par contre, aussi, ça va être pas mal, je pense. Hein. Ouais, mais moi, il me tarde d'essayer la deuxième vidéo. Là. Moi aussi. Parce que là, c'est elle qui a choisi pour moi. Elle va être bien. Vous allez trop aimer. Ouais. J'espère. Donc là, on va passer à la vidéo de Tissène qui va faire ses petits essayages. Ouais. Et ensuite, et bien on va faire la deuxième vidéo, ça sera pour dimanche prochain par contre. Ouais, voilà. Non, mercredi, le premier. Dimanche. Ben dimanche et celle d'après pour... ça dépend si tu veux la mettre en deux parties ou en une. Ben, en deux, on a commencé... Pourquoi tu regardes ma bouche quand je parle? Parce qu'on a commencé à filmer la première partie, déjà c'est en deux parties. Ah ouais, ouais. Regarde, imagine tu me parles et moi je fais comme ça. Ça me stresse pas? Si, c'est parce que t'as des bourrelets sur la bouche. En fait, t'as des peaux. Ah, des bourrelets, j'ai besoin. Non, je vois, je suis fatiguée. Bon, allez, on se laisse là, on se fait des gros bisous. Ouais. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Qu'est-ce que c'est ça?